On va laisser pour l'heure la parole à Philippe Jocques, qui est expert comptable et commissaire aux comptes. Diplômé en 90, il s'installe à Paris. Il ouvre son premier cabinet à Fort-de-France en 94. Il ouvre également un cabinet à Jarry. Il est membre du réseau Howells International, j'espère que je prononce bien, 9e réseau mondial d'audit, et il est le représentant exclusif aux Antilles-Guyane, dont il est le représentant exclusif aux Antilles-Guyane, et puis il est aussi membre du comité d'investissement de Sagipa, qui est une société de capital risque des régions de Guadeloupe et de Martinique. Et donc vous avez une vision là aussi, par votre expérience, à la fois guadeloupéenne, martiniquaise et guyanaise. Oui, alors je n'interviens pas directement en Guyane, j'ai quelques clients en Guyane, je suis aussi installé à Paris, puisque j'ai commencé mon activité en métropole avant de regagner la Guadeloupe d'abord, paradoxalement, alors que je suis martiniquais, puis la Martinique pour des activités d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour des clients qui interviennent en règle générale sur les trois départements. Et la question posée est de savoir si les entreprises, quand elles appréhendent ce marché, est-ce qu'elles le considèrent comme un marché global ou comme trois marchés distincts. Mon expérience, c'est que les approches sont différentes suivant les secteurs d'activité. Dans l'activité négoce, dès lors que l'entreprise s'est installée, s'est développée sur son territoire d'origine, comme l'a dit un des intervenants précédents, très naturellement, elle s'oriente vers l'île voisine ou le département voisin. Et donc, on retrouve dans les trois départements des enseignes qui sont exploitées par les mêmes sociétés. Les activités sont les mêmes et c'est très naturel dans la mesure où les acteurs économiques peuvent dupliquer leur système d'information installé à l'origine, connaissent les fournisseurs, donc ils ont très facilement la possibilité de dupliquer leur système ailleurs parce qu'ils ont les mêmes fournisseurs. Ils connaissent le marché, parce que c'est un élément important. On a un marché qui est relativement semblable avec des habitudes de consommation qui sont globalement les mêmes, et avec des populations qui ont des pouvoirs d'achat qui sont très proches. Martinique, Guadeloupe, Guyane, il n'y a pas d'écart fondamental. Donc dans le négoce, quand vous vous installez, c'est relativement simple. Vous avez une gamme de produits, vous l'installez, il y a des ajustements à la marge, notamment dans la grande distribution alimentaire, puisque les habitudes de consommation sont des fois à la marge un peu différentes, mais c'est relativement simple, et là, c'est vraiment un marché global. Ajouter à cela le fait que les trois régions ont une histoire commune, ont un système fiscal et social qui est commun, puisque nous avons un système fiscal qui a été adapté pour tenir compte des handicaps structurels de nos régions. Nous avons tous la pratique des aides fiscales à l'investissement, nous avons la pratique de ce système de taxation de la consommation qui est basé à la fois sur la TVA et sur l'octroi de mer. Bon, un intervenant métropolitain, quand il arrive, on lui parle d'octroi de mer, il dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça existe comment ?» La TVA non PSU récupérable, bon, qui est en train de disparaître, mais on a des spécificités fiscales et un régime fiscal qui permet à un entrepreneur martiniquais ou guadeloupéen d'être à l'aise dans les trois territoires. Donc il n'y a pas de question fondamentale à se poser, il n'y a pas de risque, et il y a un système fiscal et administratif connu, sécurisé et maîtrisé. Donc c'est très facile en matière de négoce. Et c'est vrai que le marché étant étroit, on a très vite envie d'aller négocier avec ses fournisseurs des remises plus importantes et des volumes plus importants. La problématique est un peu différente dans l'industrie. Et mes clients industriels ont en général du mal à considérer qu'il s'agit d'un marché global, Martinique, Guadeloupe, Guyane, pour plusieurs raisons. La raison essentielle, c'est, et je pense que François Rodier en reparlera tout à l'heure, c'est le coût du fret. On a un coût du fret qui est exorbitant. Entre les îles, c'est extrêmement compliqué. Quand vous avez une industrie et que vous produisez de l'eau, par exemple, vous vous rendez compte que le coût du fret est équivalent au coût du produit sorti d'usine. Donc quand vous voulez conquérir un marché comme la Guadeloupe et que vous êtes martiniquais avec de l'eau, vous raisonnez forcément en coût marginal. Vous dites, mon marché d'origine, je l'utilise pour couvrir mes charges fixes, et la Guadeloupe et la Guyane sont considérés comme des territoires d'exportation, donc avec des coûts différents. Et c'est vrai que les consommateurs, des fois, sont surpris de trouver une bouteille de Capes moins chère à Fort-de-France qu'elle n'est à Pointe-à-Pitre, et inversement, une bouteille de Champflore moins chère en Guadeloupe qu'en Martinique. Et ça s'explique
par ce problème de coût de fret et de raisonnement en coût marginal. Et ça s'explique aussi par le fait que il y a souvent des stratégies marketing et les clients de nos territoires ont tendance à s'approprier des produits de leur production locale. Et donc un producteur martiniquais a certainement plus de mal en Guadeloupe s'il n'a pas un avantage concurrentiel en termes de prix, et inversement. Puis il y a un deuxième phénomène qu'il faut prendre en compte dans l'approche industrielle, c'est le phénomène de l'octroi de mer. On en a parlé, il y a des taux qui sont différents, et ça peut poser problème. Et le problème est plus important dans les échanges avec la Guyane contre la Martinique et la Guadeloupe. Alors, c'est vrai que Martinique, Guadeloupe, aujourd'hui, forment ce qu'on appelle un marché unique en termes de TVA, d'octroi de mer et de droit d'assise sur les alcools. La Guyane n'est pas, du point de vue juridique, inscrite dans ce marché unique, mais les productions locales des Antilles ne sont pas taxées à l'octroi de mer quand elles arrivent en Guyane. Ça veut dire que la production locale guyanaise se retrouve en frontale avec des productions venant de Guadeloupe ou de Martinique, et elles sont fortement pénalisées. Elles sont d'autant plus que lors de la renégociation de l'octroi de mer 2004-2014 avec Bruxelles, la Guyane a raté, en quelque sorte, ben je pensais que le responsable des MPI guyanais serait là pour préciser le propos, la Guyane a raté la négociation avec Bruxelles et se retrouve avec un certain nombre de productions locales qui ne sont pas protégées. Alors, les produits martiniquais, quand ils arrivent en Guyane ou guadeloupéens, sont exonérés d'octroi de mer, alors que certaines productions locales guyanaises, 70 encore aujourd'hui, sont elles taxées. De surcroît, la collectivité locale guyanaise ne perçoit pas d'octroi de mer sur ces produits. Donc il y a une réflexion des Guyanais à se dire quel est notre intérêt à consommer des produits de la production locale guadeloupéenne ou martiniquaise. On ne touche rien sur l'octroi de mer et en plus il nous concurrence. Donc c'est vrai que les approches sont différentes quand on raisonne industrie ou quand on raisonne négoce. En matière de service, mon expérience, c'est que dès que vous avez les hommes et dès que vous avez les compétences, vous avez un marché global. Vous allez indifféremment dans le secteur des bureaux d'études ou de l'expertise comptable ou du commissariat aux comptes, vous intervenez indifféremment en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il n'y a pas de différence fondamentale. Je note tout de même que dans certaines activités, notamment le secteur du BTP, c'est plus difficile. Les entreprises locales sont protégées par leurs politiques locaux. C'est-à-dire qu'une entreprise martiniquaise a du mal à avoir des marchés publics en Guadeloupe. Et des fois, quand elle les obtient, ben, les ordres de service ne sont jamais délivrés. Ou alors, j'ai un exemple qui m'avait frappé, c'est un marché qui avait été remporté par le groupe SEN en Guadeloupe pour une opération spécifique à EDF Guadeloupe. Et les politiques guadeloupéens ont écrit clairement à EDF en disant « Nos entrepreneurs guadeloupéens sont en mesure de faire ce marché, indemniser le groupe SEN qui reparte. » Donc c'est vrai que bon, le marché n'est pas encore global. Il faut qu'on y arrive, il faut qu'on dépasse ces antagonismes. Est-ce qu'ils sont culturels? Je ne sais pas. Enfin, il faut qu'on dépasse ces antagonismes et qu'on arrive à avoir vraiment, comme dans le négoce, un secteur global. Voilà. Merci.